Le métabolisme territorial nous permet de déterminer les principaux flux de matière mis en jeu par le fonctionnement des sociétés. C'est ce que représente le graphique qui s'affiche actuellement. Ce graphique représente la consommation intérieure apparente de matière, DMC dans le jargon, de la région Midi-Pyrénées et de la région Île-de-France en tonnes par habitant. La consommation intérieure apparente de matière est un indicateur relativement connu qui représente l'extraction intérieure utilisée à laquelle sont ajoutées les importations et dont sont soustraites les exportations. On l'appelle aussi parfois consommation directe ou consommation nette de matière. Nous voyons que les grandes catégories de produits qui apparaissent sur ce graphique sont essentiellement représentées par les produits agricoles et alimentaires, les matériaux de construction et les combustibles fossiles, malgré les différences qui existent entre les deux régions étudiées. Nous voyons en effet que pour Midi-Pyrénées, la plupart des flux sont plus importants en tonnes par habitant que pour l'Île-de-France. Cela est dû au fait que, pour les produits agricoles et alimentaires, le Midi-Pyrénées est une région dans laquelle la production agricole par habitant est plus importante que pour l'Île-de-France, bien que l'Île-de-France soit aussi une région agricole et pas seulement une région urbaine. Cela est aussi dû au fait, pour les matériaux de construction, que l'activité de construction en Midi-Pyrénées est aussi extrêmement importante. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est sur le fait que finalement, trois flux doivent attirer notre attention si nous voulons penser à la dématérialisation. Les matériaux de construction, d'une part, qui sont toujours les plus importants, quel que soit le département ou la région étudiée, en tout cas à l'échelle de la France, les combustibles fossiles et les produits agricoles et alimentaires. Ce sont eux qui devraient être des cibles pour la dématérialisation. Mais comment aller plus loin dans la recherche de pistes pour la dématérialisation ? Nous allons observer ceci à travers un cas particulier qui est celui de la circulation des matériaux de construction pour la région Midi-Pyrénées, dont nous avons vu que la consommation était extrêmement importante. Le graphique représente cette consommation en millions de tonnes et entre parenthèses en tonnes par habitant. Alors que nous apprend ce graphique ? Eh bien, nous voyons sur la gauche les entrées de matière et nous observons que la région Midi-Pyrénées est quasiment autonome en termes de matériaux de construction puisque l'extraction locale couvre l'essentiel de ses besoins. Ce que nous pouvons observer aussi, si nous regardons les sorties, c'est qu'elles sont très peu importantes, peu d'exportations et une mise en décharge qui est extrêmement réduite par rapport à l'extraction locale. Finalement, ce qui se passe en Midi-Pyrénées, c'est que le stock de matériaux de construction augmente considérablement. C'est ce que nous pouvons voir au milieu du graphique. Nous pouvons en tirer des enseignements en termes de pistes de dématérialisation. Et ce que nous pouvons dire, c'est que ce que nous montre la région Midi-Pyrénées, c'est que le recyclage, qui est souvent présenté comme la clé de la dématérialisation, ne peut suffire à celle-ci. Même si on recyclait 100% de ce qui est mis en décharge en Midi-Pyrénées, on éviterait que, grosso modo, 10% de l'extraction locale. Donc cela signifie que nous devons avant tout nous intéresser à ce qui fait ce stock. Pourquoi ce stock est-il si important ? Eh bien, pour le comprendre, nous devons lier l'analyse du métabolisme territorial à celle des processus d'urbanisation. Midi-Pyrénées est caractérisée par un étalement urbain important. L'étalement urbain induit la multiplication des infrastructures linéaires, non seulement les routes, mais aussi l'ensemble des infrastructures de transport qui permettent de relier les quartiers et les nouvelles aires urbaines entre elles, les nouvelles zones urbanisées entre elles, mais aussi tous les réseaux enterrés qui vont être nécessaires pour permettre le fonctionnement de ces nouveaux bâtiments, que ce soit des logements, des bureaux, des commerces. Des canalisations d'eau potable, des canalisations d'égouts, de gaz éventuellement, de chauffage urbain, des fils électriques, des câbles téléphoniques, tout ceci explique cette extrêmement importante addition au stock. Donc la dématérialisation pour Midi-Pyrénées passe beaucoup moins par le recyclage que par une réflexion sur les processus d'urbanisation. Le recyclage est donc une condition certes nécessaire, mais surtout pas suffisante pour assurer la dématérialisation des territoires.